qui m'inspire en cuisine, je pense que c'est déjà les produits, le terroir ici de Marseille. Je suis vraiment tournée vers une cuisine de produits, mettre en avant ce qu'on peut avoir ici simplement par des petits producteurs, par la mer. Enfin, deux, trois ingrédients qui sont tout le temps dans ma cuisine, sur lesquels voilà, c'est impossible de passer. C'est l'huile d'olive, le piment d'Espelette et la cébette. Aujourd'hui, on a au menu un crémeux de champignons avec une royale de foie gras et une crème à la châtaigne. Voilà, on est dans les produits de saison, donc c'est très simple. Et ensuite, on a un velouté de potiron avec un œuf mollet pané à la noix. Donc une petite huile de noix, toujours des petites pousses, des petites herbes. Et ensuite, on a du merlu, donc de petits bateaux. Donc c'est un petit pêcheur qui nous amène tous les jours le poisson qu'il a. Merlu avec une polenta grillée. Donc c'est une façon voilà, très, très simple de valoriser un petit peu des produits comme de la polenta qu'on n'a peut-être pas forcément tendance à cuisiner chez soi. Et ensuite, on a de la pintade fermière. Avec un petit risotto d'épeautre aux olives, voilà, la cébette, voilà, très, très typique d'ici. Et en dessert, on est sur un moelleux aux amandes avec des clémentines corses, un lemon curd, des petites cuches d'aneth et une gelée de vin chaud. Et ensuite, un moelleux au chocolat, le chocolat en texture. Donc on a une mousse au chocolat blanc, on a un crémeux au chocolat noir et un moelleux au chocolat.